Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue sur News Daily. C'est première édition nouvelle non pour matin dans la journée électorale. Démocrate yo non réunion secret qui a été fait avec tout allié yo. Et en fait, il a été fait depuis lundi. Je t'ai pointé doigt yo son message urgent sur ça nous relais et Red Mirage et qui s'allier ces phénomènes côté que les a compté voyo. Ou est que républicain au devant et ça passé les phénomènes ça arrivé ça t'est passé pour Trump tout côté que Trump te dit li gain depuis 4h du matin sorti il dit camper compté OK c'est ça les phénomènes du déjà et Trump t'a dit pas besoin 4h du matin c'est laisser pour n'ajouter une vote donc on déjà devant net camper compté et démocrate dit que gon ensemble de candidats républicains qui préparé là pour yo dit yo gain il dit ça nous de manière prématurée pour dire gain alors que l'élection faut qu'on vini. Pour comprendre bien phénomène ça qui ça lié gain en pile state qui dit causez votre parmel là yo pas compter depuis mon nouveau parmel là yo pas compter avant donc c'est lorsque yo fin compter toute vote qui t'est faite jour élection en parlant de jeudi à qui c'est 8 novembre là ensuite y a passé à votre parmel là donc et pas tout state qui gain principe ça d'ailleurs Floride pas gagné et donc gain des state phénomène ça côté que parce que ça vous comprendre traditionnellement il y a plus démocrates qui votent par mail donc lorsque vous même vous pouvez compter vote qui fait jour de l'élection il y a en pile possibilité puisque plus fort démocrate vous nous vous bon tradition vous votez par mail à ce moment de la durée leur fait cap compter puisque vous même vous pouvez prendre votre par mail à la fin c'est normal pour que dans cette ça vous leur fait compter ou est que républicain en devant et c'est dans période ça et ça Donald Trump te fait et ça gagne l'autre candidat cap suivre lui qui capable décider de manière prématurée y aller dans média et puis pour dire yo gagné élection OK donc c'est comme ça que dit dans moment nous voulons dire que match est très serré pour les démocrates et on dit que pour causer chambre député a et comme c'est politique et capable gain surprise. Mais en majeure partie, yo sou route perdu chambre député et chambre sénat. Faut me tadou nan moment toute attention yo tourner autour de sénat. Toute attention yo tourner, ou ka comprendre nous expliquer ça boy site là. Sénat li pi important dans le sens que gon bonne décision ka prend ou pas besoin chambre député. Exemple, ou ap nommer juge ou pas besoin chambre député. Ou ap nommer des directeur général ou pas besoin chambre député. Ou ka comprendre tout. Ou besoin nommer juge suprême court ou pas besoin chambre député. Donc et chambre sénat libre à jouer un rôle et déterminant donc véritable bataille là c'est l'allié et nous pral gen pour suivre bataille ça dans des states clés tant kou Georgia tant kou Pennsylvania nous pral konnen ki jan bagay la ye et Open Senate race démocrate Federman qui en face et docteur Meet Ozi yo soti yon memo jodi lundi à côté que et yo gantan a comme mettez papier à terre pour yo ta fait ça n'ta relé face conspiracy ba menti pour dire voye élection pour dire que yo gagné dans phénomène ça puisque Donald Trump te fait le tout attend nous que c'est pas une bataille assez serrée j'en nous dit lia jeudi à ce mardi et causer pour nous connaître qui est-ce qui gagné qui est-ce qui gagne contrôle là et nous ka pas connaître à soir. Et bien entendu, il y a un pile, il y a une surprise tout, c'est ça pour comprendre. Parce que il y a des restes là, il n'y a pas cité, côté que il n'y a pas close. Pas bien là, il n'y a pas close, là, c'est statistique. Toujours mon petit écart entre statistique et réalité. Il y a un pile surprise qui est capable de faire dans l'élection, d'un côté comme de l'autre. Pas bien ou déterministe lorsqu'il s'agit de l'élection. Parce que des fois, il y a des fanatiques qui sont excités, qui ne pas les billes, ils ne vont pas le voter. Mais tout facteur. Ou qu'on y a plus de monde qui a voyé pour perdre. Parce que vous pouvez parler à chauffer, mais vous ne pouvez pas passer à l'action. Vous avez dit, je dis à ma vie, job moins, je ne vais pas gagner de temps. Vous comprenez? So, et bon, et ça fait un débat qui a fait. Et nous pensons que c'est nécessaire. Pour que ça ne pas déclaré jour de l'élection comme on holiday, il t'a supposé ça. Ça, c'est l'autre débat là qui est fini. Mais je ne peux pas garantir que les républicains ne sont pas intéressés parce que vous connaissez si vous avez congé là. La en faveur démocrate. Lorsque il y a un pile monde qui vote, le plus souvent en faveur démocrate. Et c'est ça vous connaissez. Mais normalement,
Et dans tout pays sérieux, une journée électorale, il était supposé considérer comme un federal holidays côté que pour le pays, il était supposé ça. OK? Donc, mais pour qui ça nous doit pas connait élection pour aujourd'hui. Dans Georgia par exemple, est-ce que nous connaissons dans Georgia? Il est complètement différent. Dans Georgia, c'est tout le monde en bataille. Si et sont pas qu'à faire sont pas qu'à faire 50% de voix pour aller au deuxième tour avec monde qui en bol à faire bibiti ya ou. Mais quand tu comprends Jean dans Georgia là. Bah de ouais si élection Georgia a été faite comme ça pour faire dire à l'alta belle ou. So Jean ou faire tout le monde dans élection mais faut pour faire 50%. De pour pas faire 50% ou pour aller au deuxième tour avec monde qui en bol. Même Jean le fait en Haïti. Il va comme ça pour toute state by the way, nous comme ça. State yo et c'est de pour monde qui fait plus la date c'est ou gain. Mais pour Georgia, faut qu'on fasse 50%. Donc ça t'a appelé dit soit Alker ou bien et Arnok, si yo pas fait 50%, yo pral faire une autre élection jusqu'à 6 décembre. 6 décembre. Ou tout va les suspendre qui gain. Et Arizona élection officielle yo, y a capable commencer compter et early voting les ou recevoir. Ou majorité vote qui en fait dans et en Arizona et généralement yo fait bonnet. Donc la prend en pile jour pour que county yo fin compter processus ça. OK, gain provisional ballot tout qui est supposé reporter. Donc yo ba chance pour gain recount dans Arizona. Après le parlementaire était pas venir avec un bill qui augmenter automatiquement recount et ça oui depuis gain donc depuis yo ta séparé par 1% seulement ou pour aller recompter. Donc il y a des côtés qui capable gagner et recompter et Michigan élection officielle de tout, yo capable compter vote absentee ballot jusque en fait à partir de jeudi, il y a pas de cas compter. Vous comprenez ça veut dire journée électorale pas compter. Loi qui passait et année a permettre que officiel commencer compter absentee ballot yo et avant élection, mais il y a des comtés qui pas arrivé adopter changement ça. Et donc gagner absentee ballot tout speed pour faire bail ça. Donc là prend Michigan ou Wisconsin et donc c'est autant de facteurs qui a fait que effectivement nous pas connaît résultat et élection yo pour jodi a, mais ça pas empêcher gain des zones que nous pral suivre. Comprenez bien élection ça il pral un signal pour 2024 tout zami pa bay tête menti. Parce que les zones, on t'a dit que les zones et Biden te gagne bien facile. Vous pouvez regarder dans la zone ça yo qui Jean moun ça yo voté. Il y a des zones que républicains ont pas de jambe ca entrer là-dedans. Nous connais ont perdu en pile dans zone urbaine yo. Bon, bonne analyse sérieux qui va le faire, oui. Par contre, si vous comprendre, après résultat élection ça gagne statistique, gagne données. Vous pouvez comparer li avec élection 2020 et c'est là on va regarder. Pour te voir dans telle zone, mais qui Jean Biden te gagne, tel bagay, et puis vous regardez qui ça a changé après 2 ans. Et en fonction de données, ça, il va permettre que l'équipe démocrate, là, vous-même, connaît qui côté là, pour le travail pour faire campagne. Donc, son données qui sont importantes, ça qui sont sorties dans le midterm, il va permettre que les républicains et démocrates connaissent qui côté pour corriger, qui côté yo style gagne faiblesse, qui côté yo gagne pour le travail. Donc, c'est comme ça pour comprendre. Et élection midterm ça l'observe un outil d'évaluation qui a permet deux partis yo réaliser et mais qui côté yo yé mais qui côté yo gagne pour yo travail toujours que ce soit communauté hispanique là zone urbaine que ce soit communauté n'a parlé de noir yo. Donc toutes ces indicateurs qui va dire monsieur mais ça que n'a gagne parce que ça pas veut dire élection 2022 depuis le fini la véritable bataille c'est pour 2024. Et en plus, le public a préparé la route, on va le faire, mais ce n'est pas le monde, les amis. Il faut être clair sur ça. Le Parlement veut dire clair que on va bloquer le président dans certaines démarches. Mais on va pas bloquer jusqu'à 2024 tout. Et c'est ça, nous allons comprendre. Parce que il y a des gens qui peuvent comprendre et causer l'élection pour eux-mêmes. Les républicains au pouvoir. Les républicains pour le partager au pouvoir dans l'hypothèse qu'ils prennent. C'est ça pour nous comprendre. Parce que il y a un sénat dans le monde. Ça de manière légale ou pas qu'à décider, non? Et c'est ça pour nous comprendre. Ça fait nous dire ou pas qu'à décider, ou à voter, disons, on a besoin de concertation, et c'est là pour nous comprendre la théorie. Ma besoin d'approbation, Biden, demain, on a dit, on prend tous les deux, on prend le Sénat, on prend le député, what? On va voter, certes, mais ça la loi dit.
Lò vote ou baga fè président signé lui. Fou ka vote contre quoi président panique veto. Donc nous ka fè 2 ans ou gen deux choix. Soit fè 2 ans avec un président ou maton nan mèl veto, 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 veto. Ou bien on retourne à la réalité. Pour dire monsieur, nous baga fè 2 ans fè président pour écoute maton seulement. Veto. Faut que nous accouchions quelque chose tout parce qu'il faut nous rendre compte après 2 ans. Si tout pour secteur entrepreneurial cap garder là parce que même yo nous pendant temps nous compte migrant yo nous mais marché a tombé là yo manque main d'œuvre. C'est là que nous pour comprendre. Donc pour nous comprendre pour monde peut-être cap dire républicain pour gagner so. Ou pour gagner nous parlement dans mon bon garantie ou bien pour rendre compte de pouvoir ça qui est capable de transmettre qui sont fait avec parce soit le prendre comme pouvoir de vengeance pour dire ah pour le bon côté Biden net pousse 2 ans pour pas faire rien. Pas de monde qui est gare, il y a pas de ça. Il y a pas de que ou te fait 2 ans boycotter simplement. Bon, si vous faites 2 ans boycotter simplement, ou pour aller nous président qui pourra aller râler, ça n'a pas de plus, qui a passé exécutif en dehors. Ou pour aller bataille judiciaire. Ou bien deux choix. Et n'a suivi, et rien n'a pas encore dit. Et comprenez bien. Tout ça nous a dit, tout ça, moi-même m'a dit comme projection. Ça n'a pas dans les médias, yo fait en fonction de sondages, de statistiques, mais toujours comprendre bien. Toujours gagner une marge d'erreur, même scientifiquement, on dit, mettez le résultat même marge d'erreur. Marge d'erreur, elle avait dit ça, nous dit, il y a une marge d'erreur, on mettait 3%, 4%. Il y a une marge d'erreur. Et si nous suivons les sondages, nous songeons sur Trump. Et depuis les savants, nous faisons etc. Pas grand quel sondage qui te mettait Trump gagner. Trump est arrivé gagner. Donc tout ceci, c'est pour dire que. Et tout le monde a pris regarder pour aujourd'hui par rapport avec ça qu'a dit et réalité a et à partir de 7h du soir, yo pral commencer vote yo, yo pral commencer faire analyse mais clair que chiffre qu'a venir très certainement a aider nous comprendre dans quelle direction des zones spécifiques des county parce que bataille élection c'est town par town, county par county, state by state. Chaque petite zone yon bon jan. Et c'est ça pour comprendre aujourd'hui. Florida là, sous besoin de contrôle Florida, il y a des zones spécifiques pour améliorer l'image ou la donne. Et c'est ça pour nous comprendre. Ok? Donc voilà, guys, c'est justement, nous te voté. Update à pour vous. Donc, après temps, à 7h du soir, nous capables de retourner encore pour nous, pour vous. Vous pouvez comprendre et marche par marche, étape par étape, qui j'en bataille là, avec chiffre par chiffre, combien y a besoin. Pour combien de sénateurs qui sont en bataille, combien de députés et qui Jean-Baraille a progressé pour nous capables de comprendre dans quelle direction, justement, élection mi-terme 2022, ça va aller. C'était un véritable plaisir. Bye bye tout le monde.